Et qu'est-ce qu'il y a de plus important en République que donner la possibilité aux enfants de s'instruire, d'aller à l'école? Quand je vois ça, quand je me retrouve dans mon pays, la France, je me dis, est-ce que je suis toujours dans la France de Jules Ferry? Cette France-là, elle était républicaine, celle qui voulait donner l'éducation pour tous ses enfants, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion. Il y a une règle à l'école, on accueille tout le monde, on donne la possibilité, la chance à tous les enfants un jour de construire leur vie. Et aujourd'hui, ce qui se casse avec cette politique qui est menée par le gouvernement, c'est cet esprit, c'est ces fondements républicains qui sont bafoués. Donc je suis venu le dire avec cette écharpe parce que la République, c'est autre chose. Je suis moi aussi un élu de la République. Et je veux dire aujourd'hui, par ma présence, que la République, ça n'est pas ce qu'on vous fait aujourd'hui. Ça n'est pas cette OQTF. Cette OQTF, c'est tout simplement un déni de démocratie. C'est un déni d'humanisme. Et je tenais à le dire fortement aujourd'hui parce que je ne veux pas que des enfants aujourd'hui puissent se sentir responsables, puissent avoir honte, puissent se dire « Ah, j'ai fait quelque chose, peut-être est-ce de ma faute ?» Non, ça n'est pas de votre faute. Aujourd'hui, nous sommes tous rassemblés avec des citoyens, avec des copains à vous, avec les parents d'élèves. Et je le dis, on ne fera pas ça en notre nom. Il y a un certain nombre d'endroits en France où la République oblige ceux qui demandent leur droit au séjour ou ceux qui l'ont et qui viennent le renouveler à faire la queue pendant des heures, dans le froid, dans la nuit. Il y a un certain nombre de sous-préfectures où on paie sa place pour attendre et pour être bien placé, pour espérer pouvoir déposer un dossier. Ici, à Antony, c'est seulement le mardi qu'on peut déposer une nouvelle demande. Et c'est seulement pour les 15 meilleurs, ceux qui arrivent en tête. Course d'obstacles. Un nouveau préfet a été nommé à Nanterre. On s'est déplacé. On était nombreux et on lui a demandé d'acquérir un minimum de bonnes pratiques au profit des lycéens et particulièrement de les régulariser parce qu'une fois qu'on a commencé sa scolarité, eh bien c'est pour la terminer. On se plaint assez du décrochage des élèves pour qu'en plus on n'aille pas les décrocher à coup d'expulsion. Le seul truc qui me désole, je suis français et je me dis qu'on a besoin de ces gens. De ces gens qui vont nous mener vers le haut. On a besoin de cette fameuse plus-value. Et Rabhi, c'est une plus-value. Moi, j'arrive pas à comprendre quand on a quelque chose qui va... Puisqu'on parle beaucoup de capitalisme en ce moment, quand on a quelque chose qui va valoir beaucoup plus cher plus tard, on le garde. On le garde pour le revendre. Voilà. Et moi, si je pouvais spéculer sur Rabhi, je mettrais toutes mes billes. Franchement. Je mettrais vraiment toutes mes billes parce que... Parce que non seulement pour l'instant c'est déjà un professionnel, c'est plus qu'un élève, c'est déjà un professionnel parce que ce qu'il nous rend comme travail au lycée c'est déjà extraordinaire. Et là dans son conseil de classe on envisage même de lui faire sauter une classe. Et moi aussi j'aimerais beaucoup avoir plus souvent des élèves comme Ibtissem pour ses qualités personnelles dans la classe aussi. C'est un vrai moteur pour nous et ça serait un drame pour toute la classe de perdre Ibtissem. Au niveau du travail, il n'y a rien à dire, c'est juste parfait. Au niveau de ses stages aussi, elle a très bien travaillé à l'Intermarché des Baconnets, au Leader Press à Antony. Là aussi, il n'y a que des éloges. Le monsieur d'Intermarché était prêt à te reprendre et même à t'embaucher si c'est possible. Donc, que dire de plus qu'il faut qu'elle reste avec nous. Voilà. Personnellement, moi je suis ravie qu'Ibtissem et Rabhi aient d'excellents résultats, soient des élèves comme on aimerait tous avoir. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, il est qu'il y a une réglementation qui est une vraie loterie, qui est faite pour construire des sans-papiers. Rabhi et Ibtissem ont un titre, comme leur mère, un titre de séjour espagnol. Moi, je croyais qu'on vivait en Europe. Bêtement, mais bon, vous savez, il y a beaucoup de choses dans les manuels scolaires, il ne faudrait certainement pas tout croire. Je croyais qu'on construisait l'Europe. Nous vivons dans un monde métissé. Nous vivons dans un monde où les frontières, à part les frontières, j'allais dire du fric, mais ce n'est même pas vrai, les seules frontières sont ceux que des gouvernants à l'esprit étroit et démagogue construisent. Aujourd'hui, ils sont ici, ils vivent ici.
Leur vie est ici, elle n'est pas ailleurs. L'OQTF qui a été administré à cette famille, c'est une méconnaissance, c'est un refus délibéré de tenir compte que derrière les chiffres que doit faire le préfet d'Antony, comme tous les préfets, il y a des vraies vies, il y a des vraies histoires, il y a des vraies relations entre nous. On vit ensemble. On reste ensemble. Qu'est-ce qu'on veut ? Des papiers ! Qu'est-ce qu'on veut ? Des papiers ! Pour qui ? Pour la vie ! Pour qui ? Pour la vie ! Qu'est-ce qu'on veut ? Des papiers ! Qu'est-ce qu'on veut ?